l'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt. On a eu des temps forts en première mi-temps, malheureusement pas concrétisé avec un essai visiblement qui n'y est pas puisque le joueur aplati mais en dehors des limites du terrain. Donc voilà, on tourne à 6-3 avec la sensation quand même d'avoir dominé, mais d'avoir tapé sur un mur. Donc en deuxième mi-temps, on a changé un peu de stratégie et voilà, les joueurs ont été se la chercher même si ça a été compliqué. Alors, on ne s'est pas trompé, voilà, ils ont répondu présent, ils ont beaucoup montré en touche. On a eu peu de ballons pour lancer notre jeu, malgré ça, voilà. Je pense qu'on a eu une bonne défense, même si on s'est fait percer 2-3 fois. Maintenant, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'était un grand match, on a battu une grosse équipe. On finit le bloc des 7 matchs avec 6 victoires. On est premier, voilà, c'est souvent. Voilà, soulagement, bien sûr. Ouais. Parce qu'on finit bien, on a droit à très peu de repos. On va se reposer un peu et pour entamer le bloc d'après. On pensait que c'était un piège, ça faillait être un piège. Donc voilà, on gagne 13-3. Les joueurs ont été le chercher vraiment avec leur valeur. Après, il y a encore pas mal de choses à redire. Et on se fait beaucoup pénaliser, ils ont été à la limite de hors-jeu toute l'après-midi, donc voilà, c'est un petit peu discutable, mais bon, on va revenir un petit peu sur quelque chose de plus pragmatique et travailler sur les problèmes qu'on a nous, notamment la touche, et je crois que si on arrive à avoir quelques ballons plus propres en touche, on sera en mesure de produire encore un petit peu plus de jeu, donc je crois que c'est là où on est le plus fort. Mais voilà, mais il y a une très belle équipe de Rouen, on le savait, on a pris les 4 points et on est très très satisfait. Pas très très bon pour le cœur, on savait que c'était une très très belle équipe, et franchement, elle a démontré. Nous, on a eu un petit peu de casse, c'est un peu dommage, mais on est content. C'était le dernier bloc, on repasse devant, on fait la course en tête et on va essayer de la faire jusqu'au bout. Et franchement, on est ravis. D'autant plus que c'était l'inauguration des loges. Donc, c'était un signe fort pour nos élus et pour tout le monde. Mais merci en tout cas. Bravo. Ce soir, soyez fiers de vous, les gars, parce qu'on a battu une grosse équipe. Alors, bien sûr, il y a plein de scories, bien sûr qu'il y a plein de erreurs, mais ça, on s'en branle. Celui-là, il fallait le prendre, c'est la fin du bloc et on l'a pris. On s'est enlevé une épine du pied. Parce que ça, on ne vous l'a pas dit, mais on savait que c'était un match piège. Ok, les gars? Donc, vous avez été le chercher. Un peu, quand même. On n'a pas été techniquement parfait, mais on a été le chercher avec nos valeurs. Et c'est bien, les gars. Bravo. Allez. À vous, les gars. Là, un petit chambé, un petit chambé. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt.